Bonjour, Jean-Christophe pour JCM Mental Performance. Alors, je voulais partager avec vous aujourd'hui le fait que ça fait quand même un certain temps que vous ne me voyez plus. En fait, je me suis retrouvé il y a maintenant bientôt 4 semaines à glisser sur une plaque de verglas, à me retrouver immobilisé, à me casser la rotule et à avoir 6 semaines d'immobilisation complète. Pas de conduite, pas de voiture, une attelle et un plâtre sur la totalité de la jambe et donc pas de déplacement. Résultat, alors que j'étais bien lancé dans mon activité, que j'avais des séminaires, des conférences, des déplacements de prévus, tout s'arrête du jour au lendemain. Tout s'arrête du jour au lendemain pour 6 semaines. Ah, bon, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai dû gérer la douleur quand même, parce que c'est quand même un peu douloureux. Donc, il y a eu toute cette phase d'apprentissage à gérer la douleur, respiration, visualisation, tous ces exercices que je pratique avec mes sportifs ou autres. Et une fois que j'ai géré cette douleur, c'est qu'est-ce que je fais de ce moment? J'avais plein de projets, j'étais bien parti, j'ai dû annuler des déplacements, des conférences, des séminaires. Et je me dis, bon, maintenant que j'ai géré la douleur, que j'ai les esprits un peu plus clairs, comment je gère? Qu'est-ce que je fais? Comment je transforme cet événement qui aurait pu être un événement très douloureux, dans tous les sens du terme, en tout cas qui m'a bloqué et freiné dans ma progression professionnelle, comment je transforme ça? Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Est-ce que je me lamente sur mon sort ou est-ce que je me dis « Ok, maintenant c'est parti, on remet en place les bonnes routines, on va remettre en place les petites choses qui vont faire que je vais réattaquer mon activité progressivement avec les bons réflexes. Je vais peut-être même en profiter pour supprimer des mauvaises habitudes que j'avais prises et je vais reprendre petit pas par petit pas mon activité. » Aujourd'hui, je commence par une vidéo, par exemple. Donc voilà, il y a plein de petites choses et ces petits pas-là, déjà, sont une véritable satisfaction pour moi parce que ça, c'est fait. Je suis fier d'avoir fait ce pas-là et demain, j'en ferai un autre et encore un autre et encore un autre et je vais avancer. Et il vaut mieux que je fasse 365 petits pas dans l'année plutôt que 2 grands pas qui risquent d'échouer et qui vont me demander beaucoup plus d'efforts. Donc aujourd'hui, j'ai transformé cet événement qui pouvait être un événement douloureux. J'aurais pu m'effondrer ou m'asseoir sur ça. Et je décide de faire, ok, profitons-en, j'ai eu un moment de calme, j'ai plus eu besoin d'aller à droite, à gauche, d'être dans le rythme du quotidien. Et aujourd'hui, je suis posé, je remets de la clarté sur ma vision, sur mon projet, sur mes intentions professionnelles, comment je vais développer mon business, comment je vais travailler avec vous, comment je vais mieux vous accompagner, mieux répondre à vos problématiques. Et le petit pas commence par là. Et aujourd'hui, je suis insatisfait de ce que je fais. Demain, j'ai encore un autre pas à faire, etc., etc. Voilà, je vous souhaite de pouvoir transformer tous ces éléments de vie que vous pensez être des éléments bloquants, qui vous empêchent d'avancer, et d'en faire des éléments aidants, des éléments qui vont vous permettre de grandir, vous permettre d'avancer et de donner de l'énergie dans vos actions. Voilà, c'était tous les conseils que je pouvais vous donner aujourd'hui. Je suis ravi de vous retrouver et de refaire encore d'autres vidéos pour les prochains jours. Bonne journée. Prenez soin de vous.